Donc vous êtes la présidente de l'association des donneurs de sang d'Erstein. Tout à fait. J'ai pris la relève de M. Armand Graff, qui était bien connu, qui a fait ça pendant de longues années. Et à qui j'ai succédé, après avoir succédé tout d'abord à Mme Wimmer, en tant que secrétaire, Mme Wimmer, qui était aussi très très longtemps secrétaire de l'association. Donc voilà, quand je suis revenue sur Erstein, puisque je suis native d'Erstein, j'ai accepté de reprendre un petit peu le flambeau, parce que bah, je pense que quand une personne a 92 ans, elle a le droit à la retraite, par les temps qui courent. Voilà. Et donc, depuis maintenant presque 20 ans, j'essaye de dynamiser cette équipe. Nous avons la chance depuis 2-3 ans d'avoir des personnes qui nous ont rejointes, autant pour rendre service au moment de la préparation de la collecte par le service de la collation, que pour l'ensemble des activités qui sont nécessaires au moment de la préparation d'une collecte. Collecte festive pour accueillir les donneurs, les remercier de leurs dons tout au long de l'année et remercier également les bénévoles qui sont mobilisés toute l'année pour organiser ces collectes. Et on attend aujourd'hui 165 donneurs parce qu'à Erstein, il y a la possibilité d'avoir autant. On espère que une collecte festive comme celle-ci va motiver les personnes à continuer de venir et à venir régulièrement sur toutes les collectes qu'il y a à Erstein. Pour honorer les donneurs de sang, nous avons organisé avec le Conseil municipal des enfants un atelier. Donc pendant que les gens de plus de 18 ans vont donner du sang, eh bien, nous restons avec leurs enfants et nous leur proposons plein d'activités. Donc on leur propose de faire des fleurs, comme celle-ci, avec des bouteilles en plastique. On leur propose aussi des histoires en origami. On leur propose des jeux. Notamment, il y a un jeu où on peut gagner des lots, donc où nous avons pris des lots, et le but est d'arriver à 100. Donc, du coup, on fait ça pour inciter les gens à donner du sang et qu'ils viennent, du coup, avec leurs enfants pour s'occuper. Le comité, lui, aurait besoin d'être renouvelé. Ça, c'est un petit peu le cas dans toutes les associations. Donc, s'il y a des volontaires, nous avons les portes grandes ouvertes à des forces dynamiques, jeunes, et toutes les bonnes volontés pour reprendre le flambeau. Le flambeau, tout à fait. Voilà. Jeudi 6 juillet, lors de cette collecte à la salle de gymnastique d'Erstein, vous étiez 169 à venir donner votre sang, dont 19 pour la première fois. Merci à vous tous. Thank you.